Comme vous le savez, derrière cette porte, il y a mon studio, là où je travaille, là où je fais mes vidéos YouTube. On a tous rêvé quand on était petit, un passage secret, un truc un peu genre comme dans les films et tout. Et aujourd'hui, on va faire ça ensemble. Donc sur cette porte, on va faire avec mon daron une bibliothèque. Donc quand les voleurs vont arriver, enfin j'espère pas en fait, tu vois. Enfin du coup là, ils vont le savoir avec la vidéo, mais vous avez compris. Quand ils vont arriver, ils vont se dire putain, y a rien ici. Allez, on se barre. Alors qu'à l'intérieur, il y a plus de 10 000 euros, tu sais. Enfin bref. Et du coup, ici, je vais faire une fausse bibliothèque. Enfin, ça va être une bibliothèque, une vraie, sauf qu'il y aura des livres ou DVD, je sais pas, ça on verra. Et ici, vers la poignée, il y aura des faux DVD, des fausses couvertures de livres ou DVD, on verra, pour pouvoir directement ouvrir la porte. Et j'ai grave hâte de voir ce que ça va donner, et vous aussi j'imagine. Donc c'est parti pour la construction de la bibliothèque, let's go. Bon, ça y est, on vient de démonter la porte. Bonjour, vous allez bien? Vous vous souvenez du skatepark? En fait, tu penses que les cambrioleurs, ils vont vraiment penser qu'il y a rien dans la cave. Mais par contre, papa... Bah faut pas qu'on voit la porte, faut qu'on se dise que c'est une bibliothèque. Moi j'ai l'impression que tu gères pas trop ce que tu fais là. Du coup on peut faire un système avec un moteur comme j'en ai parlé ou pas? Que t'appuies sur un bouton et que ça fait des lumières rouges et que ça s'ouvre. Non, c'est pas possible. Non. Ok. Non, je peux s'y poser. Attends. Putain, t'es bilingue ça maintenant. Ça me fait chier mais bon, je le fais quand même. Qu'est-ce que tu dis là? Putain ouais. Et il a dit quoi là? Bon, du coup on va prendre des DVD parce que c'est ce que j'ai le plus et des livres j'en ai pas beaucoup. Ça se voit que je suis cultivé. Mais en gros c'est juste parce que j'ai pas envie d'acheter des livres, ça me coûte trop cher surtout pour les coller. Alors que là les DVD on en a plein et puis ça peut faire l'affaire aussi pour une bibliothèque de DVD. Ça les coller. En les collant bien sûr. Non mais je vais pas les coller. Sans les coller. Non mais je vais mettre un peu de pâte à fixe et tout, faut pas qu'ils se comme ça, c'est rien. Ah hein. La pâte à fixe, voilà. Ouais. Putain. Arrête! Casser les couilles. Non. Ouais, si c'est bon, parfait. Voilà, vous voyez, on a tracé les traits. Et on sait qu'il y aura du coup combien de tablettes? Il y en aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On peut dire que j'ai un compas dans l'œil. T'es en train de te mater là? Ouais. Oh. Je suis un petit peu bien enveloppé, mais. La télé, tu te fous de ma gueule? Putain. On peut dire que j'ai un compas dans l'œil, mon pote. Non mais arrête! J'ai rigolé. Non mais tu rigolais, mais moi je rigole pas moi. T'as un prank, la caméra elle était là, regarde. Ouais. Ouais. Voilà pourquoi j'aime pas ce métier, c'est. Il faut faire des tracés, il faut faire des machins, il faut faire des machins. Bon, déjà, y'aura même pas de pré-trou moi. Parce qu'à la place, moi je suis très organisé, moi, vous voyez? Les choses, je les fais bien. Moi, vous me connaissez, la team, Notif et tout ça, vous me connaissez. Je suis très organisé aussi, les vidéos sortent toujours à l'heure. Allez, papa. N'importe quoi. Allez, 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 papa, tu sais, faut regarder là. C'est comme si que tu parlais, oui, non? Tu te regardes là. C'est comme si que tu parlais à une personne, même pas dans les yeux, tu la regardais comme ça. Ah. Ça va, comment tu vas? Excusez-moi. Quand tu parles, faut être sincère avec lui là, les yeux. Moi, je suis sincère avec vous. Moi, je suis sincère avec vous, la team. Mais lui là. L'astico là. Allez. Franchement. Papa, dépêche-toi. Mais comment vous faites quoi? Mais comment vous faites? Papa, attends, papa, petit interrogatoire. Lui, comment il s'appelle? Je me rappelle. T'es sérieux là? Papa, Pikachu. Ah oui, Pikachu, oui, je me rappelais. Je voulais pas le dire. Je voulais pas le dire. Ok. Et lui? C'est des fausses cartes, bien évidemment. Non, tu sauras pas. Dragon Ball. Dracofeu. Dracofeu. J'avais commandé des fausses cartes sur AliExpress. Je m'étais dit je vais faire une vidéo avec ça vu que c'était la hype et tout ça. Mais j'ai abandonné parce que je voulais pas faire une vidéo juste pour les vues. Donc j'ai fait ça sert à rien, j'avais pas envie de la faire. Parce que ça m'intéresse pas les cartes Pokémon. Voilà, vous savez tout. Ah ouais, bien sûr. C'est quoi, c'est mon cercueil qu'on fait? Elle est bonne là. Bon là, pendant que t'attends, et moi aussi j'attends mon père là. Abonne-toi à la chaîne. Mets un petit commentaire et dis-nous pour l'instant qu'est-ce que tu penses de l'avancement du truc. D'ailleurs, les commentaires, dites la prochaine construction, hein, bien sûr. Parce que du coup, là, j'ai plus trop d'idées. Non, j'ai pas le temps. Oh putain, merde. Oh, fais chier, putain. Qu'est-ce qu'il y a, fais chier, t'as fait quoi? Rien, j'ai c'était un prank. Allez, dépêche-toi avec tes gogoleries. Allez! Allez, on te dit, dépêche-toi, je tiens en force. Putain, en force. Donc je construis une bibliothèque pour faire genre qu'il n'y a pas de pièce. Mais en fait, à l'intérieur, il y a une caisse. Oh putain, ça. Attendez, j'essaye. J'ai toujours pas envie de faire ça. Ça. Je sais pas, vous en pensez quoi, dites-le en commentaire. Bon là du coup vous voyez la poignée elle est ici. Hop, je pourrais ouvrir ici. Et ici il y aura des devant, je vais mettre quelque chose qu'on pourra enlever par la suite. En gros voilà du coup la bibliothèque. Et après mettre les DVD. Ici il n'y a pas la place pour un DVD. Je vais mettre autre chose. Oh c'est lourd putain. Oh là là, c'est trompé de sens.
N'importe quoi. Mais non, c'est fou. Tu m'as fait peur, putain. Bon, là, on va voir si tous tes calculs ont été bons. Tu veux que je t'aide pour la porte ? Non, non, elle est bonne. Tu veux, je vais la mettre tout seul. Tiens, la porte ? Ouais. Tu veux, je vais la mettre tout seul. C'est bon, c'est bon. Ah non, c'était pas bon. Ah, c'est bon, elle est dedans, là. Voilà, mon cousin. Oh là là, c'est incroyable. Regarde, mon pote. Merci, père. Ah, on se galoche, quand même. Ok, bon là on fait un test pour savoir qu'est-ce qu'on va mettre. Donc je pense qu'ici où il y a la poignée au-dessus, on va mettre des DVD. Waouh, la classe mon pote. Bon c'est parti, chercher tous les DVD. Ouh, je suis fatigué. Allez, on continue à remplir du coup. J'espère que ça fera bien. Bon là tout de suite dans les commentaires, dites-moi pour l'instant qu'est-ce que vous en pensez alors que j'ai pas encore mis tous les DVD. C'est pas mal ta bibliothèque hein. Franchement, même pour des cambrioleurs, on trouve pas qu'il porte derrière. Ouais. Par contre, vous venez pas de prendre des DVD ici, hein, mais vous venez pas faire des trous. Du coup, pour la poignée qui est ici, je vais prendre ça. Du coup, c'est un truc où il y avait l'intégrale et saisons de Prison Break. D'ailleurs, vous aimez Prison Break ? Dites-le dans les commentaires. Moi, j'adore. Je vais faire un trou derrière. Ce serait cool que je me coupe pas le ventre. Bon, ça y est, on a fini la construction. Du coup, je vais vous montrer ça donne quoi en mode. Bon, là, vous voyez, imaginons, on arrive comme ça. On se dit, bon, bah, y a rien, c'est une cave dégueulasse, quoi. D'ailleurs, c'est la daronne qui filme, donc si ça filme un peu comme ça. Ouais, merci, la daronne. Bon, bref, regardez, du coup, on prend Prison Break. D'ailleurs, dans les commentaires, dites-moi s'il n'y a pas une meilleure astuce que toujours devoir l'enlever et ouvrir la poignée. Venez, madame. La daronne vient. La daronne vient. Bah, écoute, la daronne. Du coup, on arrive directement dans le studio. Yo, viens. Ouais, pas mal. Ah ouais. Bon, voilà, j'avoue. Fin de la vidéo, j'espère vraiment que vous avez apprécié. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et surtout, abonnez-vous, lâchez un like. Et puis voilà, merci d'avoir suivi la vidéo. Et dites si la vieille, elle a tremblé avec la caméra. Quoi. Voilà, et dites si elle a tremblé. La daronne. Voilà. Allez, regardez les prochaines vidéos qui vont apparaître sous l'outro là. Qui vous allez chanter sur tous les continents. Voilà, j'ai pas oublié cette fois-ci. Allez, bisous, prenez soin de vous. Salut la team. Wow, les petits effets et tout. Je vais voyager sur tous les continents, emmener mes parents à la plage. Grâce à mes finances, je perds pas mon temps car j'ai besoin de mailles. J'ai beaucoup d'argent, je veux pas être sur la paille.